Bien, chers amis, bonjour. Pour la deuxième semaine consécutive, en ce début janvier, je suis toujours accompagné de Mephisto, que vous connaissez déjà par la semaine dernière avec ses tours de magie. Et aujourd'hui, on va voir encore une fois d'autres tours de magie. Mais avant, j'aimerais ça que tu nous précises un peu, on a quitté la dernière fois en disant que les gens peuvent te demander pour aller. As-tu des exemples de ton territoire? Tu vas où à peu près? La réponse facile, c'est que je vais partout. Mais c'est sûr que le plus loin que je suis allé pour l'instant, c'est en Ontario, pour des spectacles là, à Ottawa, dans cette région-là. Je suis allé à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières. Il n'y a pas de... Là, sur la rive sud, la rive nord, là, donc il n'y a pas de... Je vois partout, effectivement. En autant qu'on communique avec toi. Oui, c'est sûr qu'il y a des frais additionnels pour les déplacements, mais je vais partout. Puis l'été, je fais une grande tournée des campings, donc à chaque fin de semaine, je suis dans un camping différent, avec un concept unique à moi-même qui s'appelle le Week-end Magique. Donc le vendredi soir, je fais de la magie ambulante d'un feu de camp à l'autre. Le samedi après-midi, je fais un spectacle de scène pour enfants. Le samedi soir, je fais un spectacle de scène pour adultes. Puis le dimanche matin, je fais des sculptures de ballons. Mais c'est, je ne fais pas simplement donner des ballons, je fais un atelier pour montrer aux enfants comment fabriquer un chien en ballon. Donc, je combine tout ça dans une seule fin de semaine. Fait que les campings aiment bien ça. Et pas le thème de mon émission, mais la motivation de faire cette émission-là, c'est de voir la personne derrière le personnage. C'est sûr que Mephisto, c'est un personnage. Oui. Mais il y a François derrière. Il y a François, oui. Alors, François, comment il vit ça, lui, cette expérience-là? La relation avec la foule, je dirais, même l'adulation, parce que les gens applaudissent beaucoup dans des spectacles, quand même, ils sont émerveillés, comme je l'ai été moi-même. Oui, oui. Alors, comment tu vis ça, toi, de l'intérieur, là? Bien, c'est sûr que... C'est un peu sujet de mon émission, moi. Ben oui, je vous comprends. C'est sûr que c'est stressant. Des fois, on accepte des contrats, puis quand la journée approche, on se dit « là, j'ai peut-être mordu dans quelque chose qui est un peu trop gros ». Puis finalement, ça donne une occasion de se dépasser soi-même à chaque fois, parce qu'on se dit « je vais être capable de le faire ». Puis oui, je suis capable de le faire à chaque fois. C'est sûr que c'est pas toujours facile, c'est jamais parfait, mais on apprend avec l'expérience de faire de plus en plus des nouveaux tours, des plus grosses foules. Puis la vraie motivation dans tout ça, c'est vraiment de se dépasser de un, puis de voir le visage émerveillé des gens, particulièrement des enfants. Lorsqu'ils voient un tour de magie bien réussi, la magie, c'est vraiment dans le cœur que ça se passe. Puis toi, tu sais, tu as appris, c'est plein de feintes, c'est plein de rapidité, puis de choses. Alors, quand tu réussis à mystifier les gens, ça te rend heureux? Oui, définitivement. Ah ben oui, ça veut dire que c'est un travail bien fait. Parce qu'il y a deux sortes de personnes dans la foule. Il y a des gens qui sont là juste pour essayer de trouver les trucs. Puis il y a d'autres personnes qui sont là pour simplement se laisser émerveiller. Fait qu'il faut essayer de naviguer en faire ça pour faire plaisir aux deux genres de personnes. D'ailleurs, dans l'épisode qu'on va voir tout à l'heure à Berthier, il y a eu les deux. Il y a eu les deux, c'est vrai. Parce que, j'ai rencontré des gens par après, là. Il y a des gens qui m'ont expliqué qu'ils avaient vu telle affaire, telle chose. Puis il y en a d'autres qui sont laissés faire. Et voilà. Ils sont laissés vivre. Là, hein? C'est en plein ça. Oui. Alors, c'est ça. Donc, tu vis ça là, avec des sentiments de satisfaction et de joie. Effectivement, oui. Et puis quand le spectacle est fini, là, l'adrénaline tombe, on se rend compte là, qu'on a fait quelque chose là, de fantastique. Parfait. De magique. Alors, on va aller voir ça, justement. Et vous allez voir à la télévision, soit que vous essayez de chercher les petits trucs même à la télévision, ou soit de vous laisser émerveiller, estomaquer même. On retourne donc à Berthier dans la salle de spectacle, oui. Où on a enregistré justement tes prestations. Excellent, allons voir ça. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour de la magie? Yeah! J'ai dit, êtes-vous prêts pour de la magie? Yeah! Veuillez applaudir très fort, il nous vient d'une tournée mondiale de la rive sud, Mephisto! Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Super. Alors, vous aimez la magie? Oui. Super, moi aussi. Et quand on va voir un magicien, on a besoin d'avoir des bons yeux. Levez la main ceux qui ont des bons yeux. Levez la main ceux qui n'ont pas des bons yeux.
C'est généralement vers le fond. Alors, quand on veut faire un tour de magie, quand on va voir un magicien, il faut s'assurer qu'on voit bien tout ce qu'il fait. On essaie de voir ce qu'il peut bien faire. Alors, pour ça, il faut avoir des bons yeux. Et j'ai donc fait un test d'optique. Mais puisque je ne suis pas optométriste, mais plutôt magicien, je fais mon test d'optique à l'aide de cet objet. Alors, vous pouvez le prendre dans votre main. Assurez-vous que c'est juste une palette de plastique. Vous pouvez la frotter, la toucher, la tourner, qu'il n'y a pas de trappe secrète ni de petits nains à l'intérieur. Et moi, je vais dessiner dessus des petites balles. De quelle couleur? Bon. On a des bons yeux de ce côté-là. Parfait. Alors, vous l'avez bien examiné? Oui. C'est bon? Alors, je vais faire trois petites balles d'un côté. Et trois petites balles de l'autre côté. Pour un total de combien? Six. Assurez-vous qu'il y en a vraiment six, parce que des fois, il y a des gens qui pensent que je triche, imaginez. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas vraiment six balles sur le bâton. Est-ce qu'il y en a vraiment six? Oui. Parfait. Merci, madame. Alors, je vais vous faire le test d'optique de la même façon que je le fais chez moi devant le miroir. Je ne comprends rien de ce qui se passe. Vous pourrez peut-être me dire si vous, vous comprenez quelque chose. J'ai remarqué que si j'effaçais la balle du bas, automatiquement, elle s'effaçait aussi de l'autre côté. Ah! Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si j'efface la balle du centre, eh bien, ça fait la même chose. Je ne sais pas comment ça marche, mais écoutez, c'est pas grave, on va recommencer. Vous rappelez-vous quand il y avait trois balles de chaque côté? Oui. La vie était tellement plus simple à cette époque. Bon, on va essayer quelque chose de différent. Ça, j'ai encore jamais essayé ça. On va partir dans l'autre sens. Si j'efface plutôt celle du haut, ah, ça le fait encore. Si j'efface celle du centre, ah, le phénomène se reproduit. Mais au moins, la seule chose qui est normale et logique dans tout ça, c'est que la balle qui reste est en bas du bâton, et pas en haut. Parce que ça, ça serait vraiment bizarre. OK. Dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer. Si jamais ça arrive, on pourrait la remettre à sa place avec une piche note. Un, deux, trois. Et ce que j'ai découvert pas plus tard qu'hier, c'est que si j'utilise ma main et j'efface toute l'encre qu'il y a sur le bâton, il m'en reste toujours un peu sur le bout du doigt. Et ça me permet de la remettre dessus. Je peux même jouer au tennis avec. Mais le plus formidable, et ça j'ai découvert ça seulement ce matin en me levant, c'est que je suis capable de lui rendre sa troisième dimension. Pensez-vous que c'est possible? Oui. Levez la main ceux qui pensent que c'est possible. Levez la main ceux qui pensent que c'est impossible. Levez la main ceux qui n'ont pas compris la question. Mais pour ça, ça demande beaucoup de concentration. Alors, je vais vous demander de bouger les doigts en direction de la palette. On bouge les doigts en direction de la palette et on va compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Okay. Oh. Merci. Merci beaucoup. Je suis content que vous soyez bon pour applaudir, parce que derrière le rideau, comme ça, en attendant que ça commence, je commençais à avoir le trac. Levez la main ceux qui ont déjà eu le trac. Oh, la plupart du monde, hein, parfait. Excellent, parce qu'aujourd'hui, c'est au trac que je m'attaque. Cette sensation d'avoir comme un nœud dans l'estomac, m'en débarrasser, c'est mon combat. Attendez, je vais vous montrer. Ça va prendre ces deux longs cordons et beaucoup d'imagination. Pour les besoins de la cause, on va imaginer autre chose. Disons que ce sont les intestins du magicien. En d'autres mots, les boyaux du petit gros. Et ici, bien sûr, on a un nœud bien dur. La première méthode que j'ai essayée pour m'en débarrasser, c'est l'hypnose. Ça, l'hypnose, c'est quelque chose. Le gars s'appelait Charles Attin. Charles Attin. Okay. Il me dit, avant même que j'ai fini de compter, ton nœud sera chose du passé. On compte ensemble? Dans 5, 4, 3, 2, 1... Zéro! Ça y est! Plus de bobos! Merci! J'ai pensé que ça serait facile de même, mais il y avait seulement déplacé le problème. Au grand mot, les grands moyens, ça me prend un bon chirurgien. J'y ai dit, fais tout ce que tu veux, en autant que tu me débarrasses de mon nœud. Au début, j'étais content. Ça a marché un bout de temps. Mais très rapidement, c'est revenu comme avant. C'est donc rempli de bonnes intentions que je me suis tourné vers les ultrasons. Je le sais, ça peut avoir l'air cabochon, mais portez bien attention. Avez-vous entendu? Oui! Oui, moi aussi, le résultat m'a déçu. On m'avait dit que c'était efficace. Une vraie farce. Et c'est l'été arrivé que j'ai commencé à paniquer. Cours à gauche, chez le chiro. Cours à droite, chez l'ostéo. J'ai même consulté un ramancheur à Contrecoeur, la ville de Contrecoeur. Mais là, je pensais que ça fonctionnait parce que je sentais mon nœud qui rapetissait, 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 et même qui disparaissait.
Mais c'était même pas vrai. Première conclusion, le trac est inguérissable, intraitable, mais dans certains cas souhaitable. Deuxième conclusion, les seuls qui peuvent m'enlever cette peur, cette panique, c'est vous, les spectateurs, le public. Comment? Simplement en faisant comme maintenant, en m'abreuvant de vos applaudissements. Oh! Aimez-vous voyager? Oui. Levez la main ceux qui aiment voyager. Levez la main ceux qui aiment voyager. Parfait. Oh, la plupart du monde. Parfait. Bien, moi, j'ai arrêté de voyager depuis quelque temps parce que les agences de voyage ont plein de problèmes. Les compagnies aériennes aussi. Ça coûte une fortune, etc. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je voyage de façon magique. Ça coûte rien. Et je fais ça avec un beau foulard que ma mère m'a ramené de Paris il y a déjà plusieurs années, comme ça. Et ce qui est fantastique et magique avec ce foulard-là, c'est qu'en plus, il peut me procurer de l'argent. Aimez-vous l'argent? Oui! Là, c'est tout le monde a de l'argent. Alors, si vous regardez très, très attentivement, vous pourriez peut-être apercevoir de l'argent. Pensez-vous que c'est possible? Oui! Ouais. C'est très possible, je vous le dis. Regardez bien. Ici, on a une pièce de... En fait, c'est une pièce de 50 sous que les Américains appellent un « silver dollar ». C'est un argent américain. Et vous avez raison, je me suis dit que l'argent américain, c'est pas très exotique pour un tour qui parle des voyages. Alors, je me suis dit que j'étais pas pour m'en servir, celle-là. Je la rentrais dans ma poche. On va plutôt utiliser une bonne pièce chinoise, comme celle-là. Oui, c'est ça. Vous avez raison, par exemple, ça, la pièce chinoise, il y a un trou dedans. Et ça va m'empêcher de faire mon tour de magie. Je ne sais pas si on devrait peut-être pas. Non, je n'utiliserai pas ça. Il paraît que la première idée est toujours la meilleure. Alors, je vais la garder dans mes poches. On va utiliser la pièce américaine. Alors, voici ce qu'on va faire. Avec la pièce américaine, je vais vous demander de l'examiner. Assurez-vous que c'est une vraie pièce. Et assurez-vous qu'il n'y a pas de trou non plus dans le foulard, surtout pas au centre. Alors, manche courte, comme ça. Alors, on va faire quelque chose de formidable. Je vais prendre la pièce. Merci, mesdames et messieurs. Je vais mettre la pièce au centre du foulard, comme ça. Et je vais vous demander à quelqu'un de très, très fort. Vous vous sentez très fort, monsieur. Quel est votre nom? Claude. Bonne mémoire. Alors, Claude, voici ce qu'on va faire. Êtes-vous capable de toucher la pièce comme ça? Oui, la pièce est bien là, parfait. Alors, je vais vous demander de se tirer très fort sur le foulard, mais pas tout de suite. On va compter jusqu'à 3. Les deux premiers coups, vous allez tirer doucement. Et le troisième coup, vous allez tirer très fort, OK? 1, doucement. 2, doucement. Et 3, très fort. Et si ça fonctionnait? Il n'y a plus rien dans le foulard. La pièce est partie. On l'applaudit très fort. Claude! Merveilleux. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. C'est que, voyez-vous, il y a un trou dans le foulard. Mais c'est un trou magique et totalement invisible. Pourquoi j'ai fait ce trou-là? Ça me vient de ma phobie de perdre ma pièce. Parce que c'est une pièce américaine qui est super dure à trouver au Québec. Alors, je me suis dit que pour ne pas la perdre, tout ce que j'avais à faire, c'est la mettre dans le foulard. Et c'est comme ça, si jamais j'échappe le foulard, ça ne sera pas grave, elle va tomber dans le trou. Puis je vais toujours savoir elle est où. Merci. D'ailleurs, le voyez-vous, le trou? Il est juste sur la tour Eiffel. Est-ce que vous êtes capable de le voir? Non? C'est pas grave si vous ne le voyez pas. L'important, c'est que vous voyez la pièce. Merci beaucoup! Mais je ne vous blâme pas de ne pas être capable de voir vraiment cette pièce-là parce qu'elle est petite. À la distance qu'on est, c'est quand même pas facile. Alors, je ne m'en servirai plus de cette pièce-là. À l'avenir, ce que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle en magie une bonne vieille pièce. Jumbo! En terminant, est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi la nationalité de la pièce noire qu'on n'a pas utilisée tantôt, celle qui avait un trou dedans? Grèce. Non? Non, chinoise. Chinoise, exactement. Chinoise, oui. Et là, je me suis dit qu'en 2024, c'était vraiment pas le temps que les Américains et les Chinois soient jaloux l'un de l'autre. Alors, eux autres aussi pourront avoir leur bonne vieille pièce Jumbo. Ça serait le fun, non? Bonne vieille pièce Jumbo que voici! Merci beaucoup! Alors, pour mon prochain tour de magie, j'aimerais ça utiliser un ou une volontaire. Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait venir en avant? Vous, madame, on l'applaudit très, très fort! Vous placez de ce côté-là. Parfait. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Francine. Francine, comme tantôt. Oui. Parfait. Alors, ça, j'aime ça quelqu'un qui ne change pas d'idée à toutes les deux minutes. Alors, Francine, est-ce que vous avez déjà fait de la magie ou ça va être la première fois? C'est la première fois. Première fois. On n'oublie jamais sa première fois. Alors, ce qu'on va faire, j'ai une question à vous poser qui est une question peut-être un peu indiscrète. Combien de doigts on a besoin pour faire de la magie? 10. 10 doigts, bonne réponse. Tout le monde a 10 doigts ici? Parfait. Montrez-moi là que vous avez 10 doigts, OK.
Et là, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée il y a à peu près 2 mois. J'étais dans une résidence et je demande à la personne combien de doigts ça prend pour faire de la magie. Il me répond 9. Fait que là, tout le monde part à rire. J'ai dit non, ça en prend 10. Puis là, je montrez-nous vos doigts. Puis le monsieur a monté le doigt, puis il y en avait vraiment 9. il y en avait un coupé. C'est des choses qui arrivent. Alors, si vous voulez faire de la magie, il faut vraiment que vous soyez vraiment très, 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 attentif. Exactement. Avez-vous apporté une balle? Non. Non? OK. On va prendre celle-là. Alors, voici ce qu'on va faire. Voici ce qu'on va faire avec cette balle-là. On va tenter de faire un petit peu de magie. Si je la mets dans ma main comme ça, et je vous demande de souffler très fort sur ma main, et là, je ne veux pas que vous embrassiez ma main. Je ne veux pas que vous mordiez ma main. Je ne veux pas que vous mangiez ma main. Je veux que vous souffliez sur ma main. Et la balle se retrouve de l'autre côté, ici, on l'applaudit très fort! Wow! Vous êtes vraiment bonne. OK, assurez-vous qu'il y a juste une balle. Tirez dessus un petit peu, parfait. C'est bon? OK. Alors, avec cette balle-là, on va tenter de faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Si je la roule comme ça et que je la divise en deux, on se retrouve avec 2 balles! Fantastique, hein? Maintenant, on pourrait faire une transposition. Aimeriez-vous ça avoir une transposition? Ah oui. Ça va me prendre une baguette magique. J'en ai déjà une, c'est parfait. Savez-vous c'est quoi une transposition? Ils ne savent même pas c'est quoi. Une transposition, c'est 2 personnes qui changent de place. On va le faire avec les balles, mais ça serait exemple si je prends ma place et si je prends votre place, pardon, et vous prenez ma place, comme ça ici. C'est un peu ça une transposition. On va le faire avec les balles et de façon magique. Si je mets une balle dans ma main, l'autre balle dans votre main, serrez-la très fort. Parfait. Une seule main. C'est bon. Je claque des doigts. Et voilà, si maintenant j'ouvre ma main et vous ouvrez ma main, j'ai sa balle et elle a ma balle! Wouhouhou! Faites-vous impressionné? Non. 15 ans de magie, mesdames et messieurs. Il y en a qui ne sont pas impressionnés. OK, il y en a qui ne sont pas impressionnés. Je comprends pourquoi. OK, ça marche. Les balles se ressemblent un petit peu. Oui. Alors, on va le refaire. Si je mets la balle dans ma main, je mets l'autre balle dans votre main. Vous serrez très fort. Parfait. Comme ça. C'est bon? Oui. On lève la manche. Parfait. Pensez-vous que c'est long, lent ou rapide, une transposition? Rapide. Vous avez raison. C'est déjà fait. Avant d'ouvrir votre main, je vais l'ouvrir en premier. Si ça a marché, ma main devrait être vide. Mais il faut regarder où la balle est rendue, parce que la semaine passée, elle s'est retrouvée dans mon oreille. Puis il y a 2 semaines, je ne vous dirai pas où ça s'est retrouvé. Alors, tout doucement, Francine, j'aimerais que doucement vous tourniez votre main comme ça. Vous l'ouvrez super lentement. Et on l'applaudit très fort! Ouais, vous êtes vraiment très bonne, Francine. On va faire un dernier petit numéro ensemble, parce que vous êtes trop bonne. On va faire ce qui s'appelle le mystère des 3 balles. Si je mets 1 balle dans ma main, 2 balles dans ma main, et je vais en chercher une 3e dans ma collection secrète, ici, comme ça. Je l'envoie rejoindre les 2 premières, et je vous donne la petite baguette d'apprenti qui est juste ici. Et là, c'est le temps de dire « Oh! » Ils sont capables mieux que ça, hein? Oh! Ah, voici la baguette. Alors, je vais vous demander de faire des ronds autour de mon poing, comme ça. Pendant qu'on va dire la formule magique abracadabra. 1, 2, 3, abracadabra! Pensez-vous que ça a marché? Oui. Moi aussi. On l'applaudit très fort, Francine! Merci beaucoup, Francine, mesdames, messieurs! Alors, on va poursuivre le spectacle avec un tour de magie extraordinaire, un tour de magie formidable. Vous avez peut-être déjà vu le fameux tour où le magicien prend un foulard, le met dans sa main, et le foulard disparaît. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça? Oui. Aimeriez-vous voir ça? Oui! C'est que moi, je ne fais pas ça. Non. Moi, au lieu de le faire disparaître, je le fais s'envoler de façon invisible. C'est une différence très, très subtile, mais c'est une différence quand même. Alors, pour ça, j'ai apporté mes 10 assistants, qui sont mes 10 doigts. Alors, si je mets le foulard comme ça dans le creux de ma main, et on va tous pouvoir lui dire bye-bye, tout le monde, en même temps. Alors, au compte de 3, on va dire bye-bye. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, bye bye! Bye. Et le foulard s'envole. Merci beaucoup! Oh. Et là, il y a des gens qui pourraient dire on n'a pas vu comment vous avez fait, on va le refaire une 2e fois avec un autre foulard. Et là, il faut que vous soyez très, très attentifs. Oh, je m'excuse, je suis en train d'intercepter une pensée. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un ici qui est en train de se dire « C'est bien beau avec un petit foulard comme ça, mais tu viens juste de le faire avec un petit foulard. » Il y a des gens qui sont assez difficiles avec moi. Hein? Il y a des gens ici qui se disent « Un petit foulard orange, c'est bien beau, mais on aimerait ça que tu le fasses avec un grand foulard. » Alors, je ne sais pas si je serais prêt à relever le défi. Je ne sais pas lequel d'entre vous a dit ça, mais aimeriez-vous que je le fasse avec un foulard grand comme ça? Oui. Grand comme ça? Oui. Grand comme ça? Ou grand comme ça? Wouhou! Merci.
Alors, je vais essayer de le faire avec un grand foulard jaune comme ça. Ça, j'ai jamais fait ça avec un aussi grand foulard, mais on devrait essayer de le faire. Alors, attention. Oh, je suis encore en train d'intercepter une pensée. Bon, je ne sais pas qui c'est qui a pensé ça. C'est peut-être un téléspectateur. Mais il y a quelqu'un qui vient de dire « C'est bien beau, un grand foulard, mais on aimerait ça deux grands foulards. » Je ne sais pas qui a pensé ça, mais je suis prêt à relever le défi. Alors, avec lequel des deux foulards vous aimeriez que je commence, madame? Vous? Oui. Lequel des deux, quelle couleur voulez-je utiliser en premier? Le mauve, parfait. Alors, on va commencer avec le mauve. Alors, je vais mettre le mauve dans le creux de ma main et on va essayer de le faire avec deux foulards. Je ne l'ai jamais fait avec un grand, imaginez encore moins avec deux grands. On va essayer de le faire avec deux grands comme ça. Et si on réussit à le faire avec deux grands, je m'attends évidemment à un tonnerre d'applaudissements. Mais pour ça, il va falloir que... Oh non, ce n'est pas vrai. Je suis encore en train d'intercepter une pensée. Et là, je ne sais pas c'est lequel ou laquelle d'entre vous, mais il y a quelqu'un qui vient de se dire « C'est bien beau, deux grands foulards, mais pourquoi pas en profiter pour ajouter le petit foulard orange? » Je ne sais pas lequel de vous autres a pensé ça, mais vous êtes vraiment difficile avec moi, mais c'est correct. Je vais le faire en plus avec le foulard orange. Je vais le rajouter aux deux autres. Et là, on va tenter de les faire s'envoler tous les trois en leur faisant un beau bye-bye. Les faire s'envoler de façon invisible. Êtes-vous prêts? Oui. J'espère que ça va marcher. Alors, au compte de trois, on va faire un beau bye-bye. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, bye bye! Bye bye! Chou, 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 chou! Hey! L'applaudit très, très fort! Merci beaucoup! Alors, on va poursuivre encore une fois notre spectacle de magie avec un numéro qui a été réussi une seule fois dans toute l'histoire de la magie, une fois qui a été réussi en Inde. Et c'est un numéro de mentalisme, un numéro donc où on peut tenter de lire dans les pensées. Pour ça, j'ai apporté un jeu de cartes et pour qu'on le voit bien à la télévision, j'ai apporté un jeu qu'on appelle un jeu de jumbo, comme ça. Alors, toutes les cartes, pour sauver du temps, j'ai apporté juste les noires et les rouges. Alors, on peut les voir comme ça. Alors, elles sont toutes différentes, toutes mélangées, mais on va même les mélanger davantage et on va s'assurer que la personne qui va les choisir puisse bien garder secret la carte qu'il va choisir, d'accord? Très important. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait participer ici tout en... restant assis à sa place, je pense que oui. Monsieur, quel est votre nom? Mario. Mario, bonne mémoire. Alors, Mario, voici ce qu'on va faire. Je vais passer la carte comme ça. Des fois, j'en ai deux, voyez-vous. Des fois, j'en ai juste une. Je les passe de bas en haut. Et quand vous voulez, Mario, vous allez dire très, très fort « Stop ». Et on va prendre la carte qui est en dessous, mais il ne faudra pas dire c'est quoi. Stop. Ici? OK. Alors, je monte la carte, mais ne dites pas c'est quoi, très important. OK, on garde le secret, tout le monde. Tout le monde va la voir. OK, tout le monde l'a vu? Oui. Je dépose ici comme ça pour pas qu'il y ait de triche possible. Et je vais maintenant essayer d'aller encore plus loin. Est-ce que, on ne s'est jamais rencontré avant aujourd'hui, Mario, est-ce que tu serais impressionné si, sur ce papier, avant même le spectacle, j'avais déjà écrit ton nom? Seriez-vous impressionné? Oui. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je vous l'expliquerai plus tard. On va plutôt à la place écrire Mario. Ça va être plus spectaculaire. Alors, Mario, est-ce que vous l'écrivez de la façon habituelle M-A-R-I-O? Oui. C'est bon. Vous pouvez l'écrire aussi M-A-R-1-0. Oh, c'est bon. Ou I-A-U-L-T. Pourquoi se compliquer la vie? Alors, voilà. Mario, c'est bien comme ça qu'on l'écrit en italien? Parfait. Alors, voici ce qu'on va faire, Mario. On va tenter de lire dans votre pensée. Alors, je vais tenter de lire quelle est votre carte et de transformer votre nom en votre carte. Alors, vous pourriez avoir choisi n'importe quelle des 52 cartes. Seule la magie pourra nous permettre de la retrouver. Alors, Mario, tout d'abord, je vais vous demander de vous assurer qu'il y a juste un papier, qu'il n'y en a pas deux. Ouais. Parfait. C'est bon. Alors, voilà comme ça. Alors, voilà, je me concentre. On va plier Mario en deux. Vous êtes souple quand même. Et là, c'est très important de ne pas jamais perdre le papier de vue. En aucun temps. Parce que si vous perdez le papier de vue, vous allez penser que je triche. Alors, il ne faut pas le perdre de vue jamais, jamais, jamais. Même pas deux secondes. Mario, le papier est en train de se transformer en votre carte. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle couleur était votre carte? Noir. Noir, parfait.
Est-ce que vous reconnaissez, Mario, ce symbole? Oui. Votre carte, c'est une carte de trèfle. OK. Mais il devait y avoir un chiffre sur la carte ou un personnage. Est-ce que c'est un chiffre ou un personnage? Un chiffre. Un chiffre. Est-ce que ça ne serait pas par hasard celui-là, un chiffre pair? Oui. Oui? Dites-nous donc de quel chiffre il s'agit? Le 8. Oui. Merci beaucoup. Alors, ça me fait un grand plaisir de venir faire mon spectacle devant vous aujourd'hui et j'aimerais terminer de façon très, très spectaculaire sous les applaudissements du public. J'aimerais que tout le monde tape des mains et on va terminer sur une note magique au compte de trois. Vous êtes prêts? On va compter très fort jusqu'à trois. Un, deux, trois. Merci tout le monde et bonne fin de journée! Oui, oui, oui! Merci beaucoup. Mon nom est Mephisto. Et je vous dis bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Alors, François, Mephisto, mm-hmm. on vient de voir justement les merveillants des gens, même les cris, hein, les applaudissements et puis tout. C'était le fun, alors, on était un groupe relativement restreint, mais il doit y avoir des groupes plus gros. C'est quoi les groupes les plus gros que tu peux avoir? Jusqu'à présent, là, les plus grosses foules que j'ai faites, je dirais, c'est à peu près 300-325 personnes. C'est pas mal quand même, hein? Oui. Ça se produit dans les campings, je pense? Dans les campings ou dans les festivals. C'est surtout les festivals, ou encore à la Saint-Jean-Baptiste. J'étais à Laval l'année dernière. Donc, ça, c'est des grandes scènes avec beaucoup de monde. Puis là, c'est sûr que ça prend des accessoires qui sont plus gros pour que tu ne peux pas faire un tour de carte à 300 personnes. Ben, tu peux, là, quand tu as la technologie. Quel festival tu as allé? Il y a le Festival des Montgolfières. Ah oui! Qui est un festival bien connu aussi. La Saint-Jean-Baptiste, il y a souvent aussi des fêtes de village. Il y a eu l'inauguration de la piste de pump track là, qui me vient à l'esprit, là, pas loin d'ici, à Sainte-Béatrix, il y a 2 ans. Alors, toutes sortes d'endroits comme ça. Puis c'est aussi une occasion, ces festivals-là, de faire de la magie de proximité, là, encore une fois, de se promener d'un petit groupe de personnes à l'autre, puis leur faire les tours. Puis quand ça vous arrive dans les mains, bien, c'est encore plus magique. Et puis les personnes âgées, des fois, on peut dire, bien, eux autres, comment ils réagissent ça, devant tes personnes âgées, bien, il y a deux catégories, les gens autonomes et non autonomes. Donc, pour les gens autonomes, bien, c'est un peu le même genre de spectacle que je ferais avec n'importe qui. Puis pour les gens non autonomes, souvent qui ont des pertes cognitives, bien, on y va avec ce que je dis souvent dans ce temps-là, c'est que c'est comme des tours pour enfants, mais avec un dialogue pour adultes. Donc, c'est la façon d'aller les chercher, des choses qui sont très visuelles, très auditives aussi, et surprenantes. Il ne faut pas leur demander là, de se rappeler de telle carte, ça ne donne rien. Mais c'est vraiment faire apparaître des fleurs, faire apparaître des guirlandes, des ballons, des choses comme ça, des lumières. Ça leur donne la magie dans les yeux, aussi. Mais peut-être on va terminer, hein, parce qu'on achève déjà. Déjà? On vient d'arriver. Tu as donné tes coordonnées, pour ceux qui ont la semaine dernière, tu as donné tes coordonnées. Mais cette fois-ci, est-ce que tu pourrais nous redire, si jamais, avec ta deuxième émission, les gens sont encore plus motivés pour avoir un spectacle chez eux, comment on fait? Ah, bien, il y a différentes façons. Vous pouvez aller sur mon site, magicienmephisto.ca. Vous pouvez aller voir Magicien Mephisto sur Facebook ou m'écrire à mephisto.joliette@gmail.com. Et donc, d'une de ces façons ou l'autre, je communique avec vous très rapidement. Puis, bien, les tarifs varient là, selon le genre d'événement là, que vous voulez organiser. Mais ce sont des tarifs très compétitifs. Alors, François, merci beaucoup de ta présence à l'émission. Merci beaucoup, M. Sauvageau, c'est gentil. Et puis, espérons bon succès dans ta carrière. Hein. Pensais jamais qu'un gars comme toi pourrait faire carrière dans ce domaine-là. C'était une révélation totalement inattendue. Et puis, je te souhaite la meilleure des chances. Hein. Puis, bon succès. Merci beaucoup. Dans ta carrière. C'est gentil. Merci beaucoup. Bien, chers amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission à l'ombre du clocher. Thank you.